Et bonjour à tous. Aujourd'hui, dans cette superbe maison, nous retrouvons le seul et l'unique John Cotardo. Eh oui, c'est moi, John Cotardo. Alors John Cotardo, qu'est-ce que vous faites ici? Alors là, c'est une propriété qui m'appartient. Bon, ils appellent ça une propriété, moi pour moi c'est juste une petite cave, hein. En soi, si on compare à un bateau, ça c'est une pirogue pour moi. Enfin, bon, rien d'exceptionnel, j'ai envie de dire. Alors aujourd'hui, je vais faire le tour des lieux de ma résidence, ma 15e résidence, on va dire. Ouais. Donc voilà, donc le locataire est dont le nom est Titoanus. Ah, et il n'est pas présent? Il n'est pas présent, malheureusement. Il travaille. Hein. Ah, il se dure labeur. Oui. Donc les voitures, là, c'est à vous? Oui, bon, ça, c'est... Pour moi, c'est des épaves. Hein. C'est pas non plus... J'appelle pas ça des voitures, pour moi. Hein. C'est des guimbardes. Ouais, des bonnes vieilles guimbardes, comme on les appelle. Voilà, voilà. Bon, on va se contenter de la visite du jardin. Alors, montrez-nous rapidement... Ce petit lieu. Donc là, on a des germes de jasmin, magnifiques en exploitation. Ici, on peut retrouver un toboggan aquatique. Vous en faites régulièrement? Oui, tous les jours. Et là, le trampoline. Et là, ça, c'est la maison de Titoanus. Ah, c'est ici que le locataire habite alors. Voilà, donc Titoanus s'occupe d'entretenir ma demeure et ça, c'est sa maison. Au domestique personnalisé alors. Et ça c'est sa douche avec ses poules et son coq. D'accord. Bon voilà, hein, je l'héberge là-dedans, hein, je suis quand même assez gentil. Gratuitement, hein, il faut préciser. Hein. Ah, gratuitement en échange de services. Voilà, exactement. Ah oui, quand même. Oui, faut pas non plus exagérer. Voilà tout, ensuite nous avons derrière... Là, à droite, dans l'arbre, c'est quoi? C'est un toboggan de plus ou... Oui, alors ça, ils sont amusés à essayer de faire une poutre, à tenir en équilibre. Ou alors ça devait être une balançoire, enfin bon. J'ai mis fin au carnage, hein. C'est pas la bamboula ici. Oui. Et quand on est une star, même vite comme moi, il faut savoir aussi... vivre à la vie humaine, hein, il faut entretenir. Mais bon, regardez, je le paye et voilà les dégâts. Ouais. Une table complètement détruite, des ronces. Donc je fais appel à cette vidéo pour qu'elle ait des millions de vues et pour que lui se sente bien humilié du non-entretien. Donc voilà, le message est dit. Sur ce, retrouvez-moi pour une nouvelle vidéo des concerts. John Cotardo, à plus. À bientôt, John Cotardo. Un dernier petit mot pour les fans, peut-être? Un dernier petit mot. Ne soyez pas jaloux de moi.